Vous êtes sur RTL. 8h. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et on va démarrer, on en a bien besoin, avec un message d'espoir. On vous communique tous les jours, et c'est normal, par souci de transparence, le bilan des personnes décédées du Covid-19. On vous donne plus rarement le chiffre des personnes guéries. Et pourtant, depuis le 1er mars, plus de 7000 malades sont sortis guéris de l'hôpital. C'est le cas de Daniel. Il a 88 ans. Le combat contre la maladie fut difficile, mais il s'en est sorti. Daniel a battu le Covid et il raconte son soulagement au micro de Sinamir. Eh bien écoutez, je viens de prendre l'air dans le jardin. Ça fait quand même du bien de respirer. Vous savez, le pape, lui, quand il débarque, il embrasse le sol. Eh bien moi, quand je suis sorti de l'ambulance et que je suis rentré chez nous, j'ai pris un bon coup de respiration et j'ai dit, mon Dieu, que la nature est belle et il ne faut pas que l'homme il la détruise. Bon, j'ai l'impression d'être un rescapé, un des premiers rescapés, quand je vois vraiment les proportions que ça a pris dans le monde entier, je me dis, mais vraiment, c'est une chance inouïe d'être là, vivant. Je me dis que tous ces gens, tous ces chirurgiens, ces grands médecins, ces infirmières et puis tout le service médical, tous les jours, ils font des miracles. Le message d'espoir de Daniel, 88 ans, on guérit du Covid-19 et son hommage que l'on partage tous évidemment aux soignants sur le pont depuis plusieurs semaines. On n'a sans doute pas fini de parler de la chloroquine, hein, avec cette information ce matin qui alimente encore un peu plus la controverse autour de ce médicament. Selon les révélations du Point, des morts ont été recensées dans plusieurs hôpitaux français chez des personnes positives au coronavirus ayant pris de la chloroquine. L'hebdomadaire ne précise pas le nom des hôpitaux. Ce qui est sûr, c'est qu'hier déjà, l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine mettait en garde contre la prise de ce médicament. Seul, sans ordonnance, sans indication de son médecin, l'ARS qui recense plusieurs cas toxiques cardiaques. Bonjour Sophie Orange. Bonjour. On le rappelle hein, ce matin Sophie, la chloroquine n'est pas un médicament anodin. Exactement, car il a de très nombreux effets secondaires, notamment cardiaques, et il peut être dangereux en association avec d'autres traitements. C'est la raison pour laquelle, depuis un décret du 25 mars dernier, la prise de ce médicament contre le Covid-19 est très encadrée, uniquement à l'hôpital, pour pouvoir effectuer des électrocardiogrammes fréquents et surveiller le cœur. Un contrôle 4 à 6 heures après la prise, puis 2 fois par semaine. Sauf que visiblement, ces derniers jours, plusieurs personnes s'en sont procurées avant le décret. Des médecins convaincus par l'efficacité de la chloroquine en avaient prescrit. Certaines pharmacies ont même été dévalisées. Il y a donc des malades qui se soignent tout seuls, à la maison, sans surveillance, au péril de leur vie. Ce n'est pas une simple pilule que l'on prend et 3 heures après, ça va mieux. La chloroquine, dont l'efficacité est encore contestée, est très dure à doser. Quelques milligrammes par jour en plus et les problèmes cardiaques peuvent apparaître, plus d'autres effets secondaires comme des troubles de la vision. L'agence du médicament est en alerte. De son côté, l'ARS Aquitaine appelle donc à la prudence. Inutile d'encombrer les lits de réanimation, si précieux en ce moment. La chloroquine ne doit pas être prise en automédication au risque de mettre sa vie en danger. Merci de le rappeler, c'est important Sophie Orange pour cet éclairage. C'est une nouvelle semaine difficile qui démarre alors que le pic de l'épidémie pourrait être atteint d'ici le week-end prochain. On entrera demain dans la 3e semaine de confinement et on espère percevoir les premiers effets concrets de ces mesures. Car le bilan continue d'augmenter. Près de 300 nouveaux décès supplémentaires en 24 heures. Au total, plus de 2600 morts à l'hôpital. On devrait disposer dans la journée du chiffre des victimes dans les EHPAD. Hier, des dizaines de malades ont été évacués de plusieurs hôpitaux du Grand Est, saturés pour être transférés par avion, par hélicoptère et par TGV vers d'autres établissements moins débordés. Situation critique également en Île-de-France où le personnel soignant là aussi est exténué. Il doit faire face au flux ininterrompu de malades sans disposer parfois des protections indispensables. D'où la colère de ces soignants lorsqu'ils ont vu arriver ce week-end 3 gros caissons réfrigérés déposés sur le parking de l'hôpital de Créteil et devant un EHPAD, 3 morgues mobiles. Il n'y a pas suffisamment de place pour soigner les malades, mais on en fait déjà pour entreposer les corps. Écoutez la colère de Barbara Filol, représentante CGT Santé du Val-de-Marne.
C'est choquant parce qu'on nous livre d'abord du matériel en cas de surmortalité avant de nous livrer des matériels de protection. Et ça nous aurait moins choqué si les directions d'établissement nous avaient avertis, avaient prévenu le personnel. Là, vous prenez votre service, vous traversez le parking, il y a deux Algeco réfrigérés, vous arrivez à l'EHPAD, il y a un Algeco réfrigéré. Voilà, c'est ultra violent, hein. Quand vous prenez votre travail et que vous venez pour sauver des vies, de toute façon, c'est violent pour tout le monde. Et ce qui est terrible pour les familles, c'est un, depuis le 11 mars, de ne plus pouvoir rendre visite à leurs proches et à la fois de se dire « Ah bah, sur le parking de l'EHPAD de ma maman ou de mon papa, on a posé un conteneur réfrigéré. Est-ce que ça va être son tour? Est-ce qu'il va mourir? Est-ce que c'est le prochain ?» Vous imaginez un peu? Terrible. Témoignage recueilli par Vincent Serrano pour RTL. Ne licenciez pas vos salariés. L'appel lancé hier par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, invitée du grand jury RTL Le Figaro LCI. Elle incite ceux qui en ont besoin à utiliser le chômage partiel afin de sauvegarder au maximum l'emploi. Plus de 220 000 entreprises ont déjà opté pour la mesure. Cela fait environ 2,5 millions de salariés concernés. Du jamais vu depuis 17 ans, le prix du baril de pétrole a considérablement fondu. Il s'est encore effondré ce matin à l'ouverture des marchés asiatiques après l'aggravation de la crise sanitaire durant le week-end. 20 dollars le prix du brut à New York. Conséquence, la baisse du prix de l'essence à la pompe devrait se maintenir. 1,20 euro le gasoil ce week-end. 8h05, attention si vous comptez mettre le nez dehors. On le rappelle, hein, l'attestation est obligatoire et sachez qu'en cas d'oubli, vous risquez l'amende 135 euros. Mais gare également aux escrocs, de faux policiers se font passer pour de vrais et n'hésite pas à demander un paiement immédiat en liquide. C'est impossible, la mise en garde d'Emmanuel Barbe, préfet de police de Marseille. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que si on est contrôlé par les forces de police, la plupart du temps, elles sont en uniforme. C'est très rare qu'elles soient en civil. Et de toute façon, il n'existe aucune verbalisation qui entraîne immédiatement encaissement d'une somme d'argent. En fait, le procès verbal est fait par le biais d'un téléphone portable, d'une tablette électronique, qui sera ensuite, la contravention sera rédigée et envoyée à la personne par la poste. Donc, il faut absolument refuser de payer toute somme immédiatement. C'est vraiment le signal que c'est un faux contrôle de police ou de gendarmerie. Donc je le dis vraiment de la façon la plus claire à vos auditeurs, les forces de l'ordre n'exigent en aucun cas un paiement immédiat d'une amende pour non-respect du confinement. Emmanuel Barbe, le préfet de police de Marseille, au micro d'Hugo Hamelin. Situation toujours aussi dramatique en Italie et en Espagne. 850 morts hier encore, bilan fourni par Madrid, où une patinoire a été réquisitionnée pour servir de morgue. Les deux pays les plus endeuillés de la planète espèrent approcher enfin du pic de la pandémie. Ce n'est pas encore pour tout de suite. Malheureusement, aux États-Unis, qui comptent déjà le plus grand nombre de cas officiellement déclarés au monde, 130 000, et qui se prépare au pire, un hôpital de campagne est en train d'être installé en plein Central Park, au cœur de New York. Et puis, la polémique qui enfle ces derniers jours au sujet de la Chine. Le pays aurait-il volontairement minimisé son nombre de morts, officiellement un peu plus de 2500 à Wuhan? Bonjour Stéphane Pambrin. Bonjour. Ces derniers jours pourtant, des photos sèment le trouble sur les réseaux sociaux. Des files d'attente de plus de 200 mètres et des livraisons de milliers d'urnes funéraires. Les photos de la réouverture à Wuhan des funérariums laissent effectivement placer un sérieux doute sur le bilan exact de l'épidémie en Chine. C'est à Wuhan et sa province, encore une fois là où tout a commencé, que le doute s'installe. Dans cette province, on ne recense officiellement que 3186 morts et 3304 dans toute la Chine continentale. Mais selon plusieurs enquêtes de la presse, ici au moins 6500 urnes sont livrées à Wuhan cette semaine pour que les familles puissent venir récupérer les cendres de leurs proches. Alors sans doute tous ne sont pas morts du Covid-19 et le gouvernement s'en tient pour l'instant à ce seul bilan. Mais sur les réseaux sociaux, beaucoup se demandent si la Chine a caché ses morts. 3 fois moins de victimes qu'en Italie, alors que le pays est 20 fois plus peuplé. C'est l'heure du doute, après celui du bilan. Stéphane Pambrin. Et puis on va partir pour terminer ce journal dans un pays qui ne connaît pas le coronavirus. Enfin, officiellement, la Biélorussie, l'une des dernières dictatures de la planète, impénétrable, tenue d'une main de fer par le président Alexandre Loukachenko. Impossible de vérifier quoi que ce soit. Match de foot, stade rempli, en tout cas le pays vit comme si de rien n'était. Le président a même participé ce week-end à un match de hockey, manière de donner l'exemple, Sylvain Charlet. Oui, et Alexandre Loukachenko a d'ailleurs profité de cette sortie en public pour rappeler aux Biélorusses, à sa manière, qu'il n'avait pas à craindre le Covid-19. Ici, il n'y a pas de virus. Le sport, et surtout le sport hivernal, comme ici dans cette salle de hockey, c'est le meilleur moyen pour combattre
combattre le virus. Les championnats de hockey, de handball et de football continuent donc de réunir tous les week-ends leurs supporters. Ce dimanche, on pouvait suivre par exemple les rencontres de la deuxième journée de la Vyschaïa Liga, la ligue de football. Et dans ce championnat, le français Jérémy Mawatou porte depuis un an les couleurs du club de l'Energetic Minsk. Il avoue son étonnement de voir les matchs se disputer. Ici, tout le monde vit dehors, raconte-t-il. Les gens parlent peu du virus. Les magasins alimentaires sont ouverts jusqu'à 2h du matin. Et forcément, conclut-il avec le sourire, ici je n'ai pas besoin d'attestation pour sortir. Voilà, le pays où on ne connaît pas le virus, où on ne partira pas en vacances non. Même. Hein. C'était la Biélorussie, présentée par Sylvain Charlet. Merci beaucoup, c'était le journal de Dominique Tenza. Nous allons partir en région maintenant grâce à nos reporters mobilisés sur le terrain. RTL Matin, Yves Calvi. La région Grand Est est soumise à rude épreuve hein, depuis plusieurs semaines. Bonjour Samuel Goldschmidt. Bonjour. Vous êtes notre correspondant dans la région Est. Comment l'épidémie progresse-t-elle chez vous et où en est-on de cette vague tant redoutée hein ? Alors il y a l'Alsace dont on parle depuis 3 semaines qui est toujours submergée, mais il y a aussi les départements limitrophes qui commencent à être vraiment touchés à un chiffre dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est le nombre de morts en Moselle. 163 morts depuis le début de l'épidémie, c'est plus que dans le Bas-Rhin. Ce département est désormais très sollicité. La Meurthe-et-Moselle est également dans la tourmente avec 325 personnes hospitalisées dont 132 en réanimation. Et puis la Bourgogne-Franche-Comté, directement limitrophe de l'Alsace, il y a 801 personnes hospitalisées, 216 en réanimation. La région voulait obtenir 300 lits de réanimation disponibles cette semaine. En fait, selon ce que nous disent tous les hôpitaux et les ARS, on construit une digue dans les régions limitrophes de l'Alsace, mais on ne sait pas si elle sera assez haute pour contenir l'épidémie. Un combat à mener avec toutes les forces mobilisées. Qu'en est-il du matériel ? Il y a toujours des pénuries dans votre région ? Alors oui, il y a eu du mieux, notamment l'hôpital de Mulhouse qui nous signalait la semaine dernière que pour les masques, ils avaient une petite provision. Il y a toujours des problèmes d'approvisionnement, même pour Mulhouse. En surblouse, il y a des problèmes pour les charlottes, les surchaussures, tout l'équipement qui sert aux infirmières et aux médecins à se protéger en entrant dans les chambres. Il y a des hôpitaux qui font des appels aux dons. L'hôpital de Toul, qui est un des petits hôpitaux périphériques, eux aussi très sollicités. Ils faisaient un appel aux dons, par exemple, pour des stéthoscopes, figurez-vous, car ils aimeraient bien pouvoir en avoir un par lit. Pour éviter de transporter ces instruments de chambre en chambre. C'est aussi un vecteur de contamination. On attend donc avec impatience ici, notamment le pont aérien avec ce deuxième vol de Chine aujourd'hui qui doit atterrir à Vatry dans la Marne avec notamment 8 millions de masques. Merci beaucoup de toutes ces précisions dont on comprend qu'elles sont très importantes. Par exemple pour les stéthoscopes, Samuel Goldschmidt, correspondant d'RTL dans l'Est. Dans un instant...